Eh bien bonjour, bienvenue pour cette étape numéro 6 du parcours du vrai débutant. Alors une étape importante puisqu'on va ensemble voir nos premiers accords barrés. En l'occurrence, on va en voir deux sur cette étape, le si mineur et le fa dièse mineur, mais j'y reviendrai dans un instant. Comment va se dérouler cette vidéo? En premier temps, je vais vous expliquer d'où viennent les accords barrés, comment ils se construisent, globalement les éléments importants pour comprendre le fonctionnement, en tout cas la construction de ces accords barrés. Ça sera notre première étape. La deuxième étape, eh bien, en fait, c'est une succession d'ateliers pour vous permettre de maîtriser donc ces deux accords que l'on va voir ensemble, le si mineur et le fa dièse mineur. Ce que j'ai pu noter pendant les stages que j'anime, c'est qu'il y a deux types de populations. Une petite population de gens qui ont la chance d'avoir des mains qui se posent naturellement sur le manche et faire des barrés sans de grosses difficultés. Mais la grande majorité d'entre nous, eh bien effectivement, lorsqu'on se confronte pour la première fois aux accords barrés, eh bien on a quelques difficultés. Donc les ateliers qui vont suivre, eh bien ont pour objectif de gommer ces difficultés de mise en place. C'est progressif, mais ça permet d'aboutir à des accords construits où l'ensemble des doigts se posent en même temps sur le manche. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent je vois des gens qui font des barrés où on a le barré qui se fait et ensuite les doigts qui viennent construire. Les autres doigts, bien sûr. L'index faisant l'accord barré. Je vais y revenir dans un instant. Donc voilà en tout cas pour le déclinement de cette vidéo. Première chose, on regarde ensemble ce qu'est un accord barré, comment ça se construit. Et ensuite, une succession d'ateliers que je vous encourage à suivre lentement. Voyons ensemble comment se construit un accord barré. Alors la première chose, c'est qu'on sait qu'on aura l'index qui viendra sur une frette pour bloquer les cordes. Ça, on a tous compris que c'était ça. Mais après, qu'est-ce qui se passe avec les autres doigts? Quelle forme on va construire avec ces autres doigts? Alors, pour bien comprendre l'histoire, il faut que l'on soit d'accord sur un élément extrêmement important, c'est qu'il existe 12 notes. C'est ce qu'on appelle la gamme chromatique. Si je réussis mon montage, normalement, vous devez voir apparaître la gamme chromatique. Chacune de ces 12 notes, do dièse, ré ré dièse, mi, fa dièse, etc., chaque note est séparée d'un demi-ton. Et la bonne nouvelle, c'est que notre guitare, chaque frette correspond à un demi-ton. Autrement dit, si je fais un barré, là j'ai pas mis d'autres formes derrière, mais si je fais un barré, que je bats de demi-ton en demi-ton. En admettant, mais c'est faux, que en fret 2 là, en haut, on avait un do dièse, un do par exemple, eh bien, do dièse, ré, ré dièse, mi, etc. C'est faux, hein, c'est un fa dièse ici, c'est pour l'exemple. Donc on a une gamme de 12 notes qui progresse de demi-ton en demi-ton, c'est ce qu'on appelle la gamme chromatique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une guitare qui elle-même, de fret en fret, progresse de demi-ton en demi-ton. Eh bien, on a des instruments qui se ressemblent. En tout cas, on a une gamme et un instrument qui se ressemblent. Finalement, on a une gamme chromatique et notre guitare, finalement, elle est également chromatique. Ok, tout ça, c'est une chose. Maintenant, regardons cette gamme à 12 notes. On s'aperçoit qu'entre mi et fa, on a bien un demi-ton. J'ai pris cet exemple-là. Ça me permet de souligner que vous apercevrez qu'il n'y a pas de mi dièse, hein, ou de fa bémol. Entre mi et fa, on a bien un demi-ton. Maintenant, si vous vous souvenez, on a également vu ensemble un accord qui s'appelle le mi mineur. C'est un mi mineur. Puisqu'il y a un demi-ton entre mi et fa, si je décale cette forme d'un demi-ton, autrement dit d'une frette, eh bien, je suis donc sur un fa mineur. Si je fais bien sûr
un barré. Donc n'importe quelle forme, si je la déplace, si je me déplace d'un demi-ton, ce mi mineur devient un fa mineur. Si je barre, si je me déplace encore, si je regarde ma gamme chromatique, je barre bien entendu fa dièse, et ainsi de suite. En fait, construire un accord barré, c'est avoir en tête cette histoire de gamme chromatique. Je pars d'une forme, et cette forme-là, eh bien, je vais la décaler. Mais pour qu'elle soit toujours valable, il faut reconstruire son haut de manche. En fait, quand vous faites un barré, c'est comme si vous reconstruisiez le haut du manche. Si je fais, par exemple, je reprends mon mi mineur, c'est comme si j'étais barré ici. Alors, en général, on ne prend pas ces deux doigts. Hein. On prend ces deux-là, on y reviendra. Mais là, je vais faire comme ça pour bien voir. Voilà. En fait, quand vous faites un mi mineur simple, on va dire, c'est comme si vous aviez le barré ici. Et c'est cette forme-là que l'on va décaler. Si on la décale d'un demi-ton, de par ma gamme chromatique, je suis donc en fa mineur. D'un demi-ton, fa dièse mineur, et ainsi de suite. Fa dièse, etc., etc. C'est valable pour toutes les formes. On va voir tout à l'heure le si mineur. Je vais vous le présenter comme ça. Mais ce qu'il y a d'important à comprendre et à voir, c'est qu'en fait, ça n'est ni plus ni moins que la forme du la mineur que l'on a déjà vu ensemble. Je ne sais plus sur quelle étape. Mais on avait vu la forme du la mineur. Ça, c'est la mineur. Entre, si on regarde la gamme chromatique, la dièse, si bémol, si. Il y a donc deux demi-tons entre le la mineur et le si mineur. Un, deux demi-tons. Et je reconstruis avec les autres doigts que j'ai à disposition la même forme que tout à l'heure. La mineur. Je veux faire un si mineur. Je regarde ma gamme chromatique. Si je décale d'un demi-ton, ça va être un si bémol mineur. Je dois décaler de deux demi-tons, d'un ton, on va dire. Et donc, il faudra que je barre en fret 2 et que je construise une forme de la mineur. Je pourrais vous refaire l'exemple avec une autre forme, la forme de do, la forme de ré, la forme de sol, etc. Sauf que, en tout cas pour débuter, nous allons utiliser que deux formes principales pour nos barrés, tout ce qui est à base de mi et tout ce qui est à base de la. On aura le temps de voir toutes les possibilités, que ce soit en majeur, en mineur, en septième, etc. On aura l'occasion sur d'autres étapes. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir pour bien comprendre, c'est qu'en fait, on va décaler une forme de demi-ton en demi-ton pour obtenir l'accord concerné. Je refais l'exemple avec le mi mineur et ensuite le la mineur parce que ce sont les deux formes que l'on va utiliser. Donc pour consolider mon discours, on a vu ensemble l'accord de mi mineur. Je veux faire un fa dièse mineur selon ma gamme chromatique qui est notre référence. Il y a donc deux demi-tons, on peut dire un ton, mais en tout cas deux demi-tons. Donc je vais décaler de deux frettes et avec les doigts qui me restent, je reconstruis une forme de mi mineur. Si je me décalais encore d'un demi-ton, selon ma gamme chromatique, je suis un sol mineur. Si je devais faire la séquence complète, mi mineur, je barre fret 1, donc plus un demi-ton, fa mineur, plus un demi-ton, fa dièse mineur, plus un demi-ton, sol mineur, plus un demi-ton, sol dièse, et ainsi de suite. Même chose pour l'accord de la mineur, on l'a vu de cette forme-là. On va devoir travailler ensemble un si mineur. Selon ma gamme chromatique, il y a deux demi-tons, si bémol, si, et comme je vais faire un si mineur, je reconstruis ma forme de la mineur.
Donc on a toujours cette même logique, on a une première forme et ensuite, selon la gamme chromatique, on la déplace sur le manche. Bien, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec mes explications, mais vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne. Je trouve qu'il est important de comprendre comment ça se construit, comment ça se fait, le contexte dans lequel on est. On est dans un contexte de gamme chromatique, on a un instrument chromatique, on décale une forme et ça fait un nouvel accord. Ça me semble important de le comprendre, même si ça ne nous aidera pas pour mieux jouer, mais de comprendre le contexte, c'est toujours mieux. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé, mais c'était important pour moi d'expliquer d'où ça vient. Allez, on est parti sur les différents ateliers. Ce que j'ai pu noter avec l'expérience, c'est que, hormis les gens qui arrivent à placer les doigts rapidement, parce qu'ils sont câblés comme ça, ils ont cette chance-là, on a souvent du mal, lorsqu'on aborde les accords barrés, de placer tous les doigts en même temps au moment de la construction de l'accord. Donc les ateliers qui vont suivre, eh bien, ils ont pour objectif de vous amener naturellement et sans effort à ça. L'idée ne va pas être d'attaquer d'entrée de jeu le placement de l'ensemble des doigts. Je vais vous décrire l'accord du Si mineur et ensuite on va voir comment on va le travailler. Comme je disais, il est très difficile de placer tous les doigts en même temps. Eh bien nous, ce qu'on va faire, on va apprendre à placer notre accord barré doigt après doigt. Je vais d'abord décrire l'accord de Si mineur, puisqu'on va débuter avec celui-ci, et on va voir ensuite la démarche que l'on va faire ensemble pour le positionnement. Donc je rappelle l'accord de Si mineur. On a un accord de La mineur. Selon notre gamme chromatique, il faut rajouter deux demi-tons, donc deux frettes, et après reconstruire un accord, une forme de La mineur. L'index fait le barré, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire construisent la forme que nous avions appelée La mineur précédemment. La forme complète devient un Si mineur. Donc notre index va faire le barré. Le majeur va venir encore de deux, juste après l'index, le barré, bien sûr. L'annulaire, encore de 4, et l'auriculaire, juste en dessous, encore de 3. C'est notre forme de Si mineur. Alors, on ne va pas essayer de placer tous les doigts en même temps. Si vous y arrivez, alors je vais dire autrement. Essayez, si vous arrivez à passer, là on va passer du Mi mineur au Si mineur, Mi mineur, Si mineur. Si vous arrivez à placer les quatre doigts, c'est-à-dire index, majeur, annulaire, auriculaire, en forme de Si mineur d'un coup, tout va bien. Ce qui suit, ça ne vous concerne plus. Et vous avez cette chance-là et je vous envie très sérieusement. Il m'a fallu plus de temps que ça. Si vous apercevez, en faisant ce test, Mi mineur, Si mineur, si vous apercevez que vos doigts ne tombent pas en même temps, qu'il y a un décalage, même pire, c'est que vous construisez votre accord d'abord de La mineur et que vous venez barrer ensuite. On le voit beaucoup également en stage. Si vous êtes donc dans une logique un peu déviante, vous allez avoir des accords qui vont mal sonner, surtout si vous avez des rythmiques ou des arpèges rapides. Et bien dans ce cas-là, on ne va pas fonctionner comme ça. Ce que l'on va faire, c'est amener les doigts pas à pas, si je peux dire ça. Allez, c'est parti pour notre première phase de l'atelier. Alors, pour que ça soit efficace, et efficace, ça veut dire qu'on n'a pas de courbature, qu'on a envie de continuer à travailler, etc. Eh bien, il faut trouver une zone au niveau du manche où votre main est à l'aise. Vous avez bien sûr noté que les frettes sont plus larges en haut de manche qu'en bas de manche et que selon la morphologie de votre main, peut-être que vous avez des grandes mains et que vous êtes déjà à l'aise en haut de manche, mais peut-être que il faut que vous tombiez dans un secteur plus bas pour que votre main ouverte normalement soit à l'aise. Là, je vais être obligé d'élargir
Et là, ici, ben, je vais tomber à peu près normalement. Pour la suite de l'atelier et simplifier, je dirais, l'approche pour tout le monde, si vous n'en avez pas, je vais vous demander d'aller chercher un capot. Et on va faire l'atelier en fret 4. L'idée va être de réduire les écartements et de tomber donc avec une main. Je pense qu'à ce niveau-là, tout le monde a, je dirais, l'écartement naturel normal. On le fait aujourd'hui en fret 4 pour construire et apprendre. Après, l'objectif, ça va être de remonter le capot pour que vous puissiez faire vos barrés en haut de manche également. Mais là, pour aujourd'hui, on va travailler en fret 4. Dernière précision avant de faire les étapes. Dans le cadre des accords à base de La mineur, ce qui est le cas de notre Si mineur, si vous vous souvenez bien, l'accord de 6 n'est pas joué. Autrement dit, votre barré peut très bien ne faire que les 5 premières cordes. Si vous bloquez la sixième, ce n'est pas très grave, mais normalement, le barré ne s'applique que sur les 5 premières cordes. De toute façon, on doit éviter de jouer la sixième. On ne la joue pas d'ailleurs. Donc, si vous faites un barré complet, c'est pas très grave. Si vous avez les doigts suffisamment à l'aise pour venir faire la mineure en dessous. Mais sinon, par défaut, votre barré en si mineur peut s'arrêter aux 5 premières cordes. Dernière chose, quand vous allez barrer, on va faire le barré, juste l'index. Il faut vraiment que les doigts soient en face des autres frettes, en tout cas au moins des deux suivantes, et ne pas avoir la main complètement tournée. Je m'explique, de temps en temps, je vois des gens quand ils débutent, ils font comme ça et ils ont les doigts super écartés, comme ça, souvent parce qu'ils veulent voir ce qu'ils font. Donc non, l'idée c'est vraiment, quand on va faire que le barré, que les doigts soient déjà dans l'idée d'être perpendiculaire aux manches pour venir faire le barré. Tac, tac. Voilà, on a les doigts qui sont prêts à. Pour l'instant, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, mais ils sont prêts à. Ne faites pas un truc comme ça avec la main très très écartée. Ça n'est pas bon pour la suite. Donc, paf, on fera mi mineur, on fait le barré. Mi mineur, on fait le barré. Mi mineur, on fait le barré. Ne mettez pas de la pression sur votre accord. Il faut juste que les doigts se posent au bon endroit. Donc n'essayez pas de serrer, on n'est pas en train de jouer. Donc même s'il n'y a pas, il n'y a pas de son à mettre pour l'instant, ce qu'on recherche, c'est la précision. Je fais mon barré bien en fret 2, mes doigts sont bien en face. On n'est pas en train de jouer pour l'instant. Donc on focalise sur le fait d'être régulier, puisqu'on va le faire avec un tempo régulier, les doigts bien en place à l'endroit où ils doivent être. Allez, on va faire 1, 2, 3, 4. Juste l'index. Hein. 1, 2, 3, 4. Et les autres doigts prêts à aller sur le manche. On est parti ensemble. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est notre première étape. Refaites-le tranquillement autant de fois que nécessaire pour que ce soit naturel. Une fois que ceci est en place, eh bien, on va mettre ensemble le majeur. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Ça sonne pas, c'est normal, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti, mi mineur et avec index et majeur ensemble ensuite. L'index et le majeur doivent tomber en même temps. 3, 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À refaire en boucle, bien évidemment. N'hésitez pas éventuellement à prendre un tempo plus lent si c'est un peu rapide. Prenez un tempo plus lent. Vraiment, ce qui est important, ce que vous devez valider, c'est que le barré et le majeur, donc l'index et le majeur, tombent en même temps. Ça, c'est ça que vous devez valider. Donc, vous pouvez prendre un tempo plus lent, comme vous le souhaitez. Par contre, ça doit être régulier. Pourquoi ça doit être régulier? Parce qu'en fait, cette régularité, ce ronron, eh bien, c'est ça qui va vous donner l'information du moment où vous lâchez la corde de mi mineur pour aller vers le barré et vice-versa. Donc, même si c'est un atelier, dans tous les ateliers, c'est pas même si, dans tous les ateliers, on doit prendre un tempo régulier. Ça fait partie de la musique, la régularité. Donc, on prend un tempo régulier. Mi mineur, index majeur ensemble. Quand vous avez validé que ça fonctionne, que les deux doigts tombent en même temps, etc., etc., eh bien, on va pouvoir ajouter un doigt supplémentaire, en l'occurrence l'annulaire. Ça va donc nous donner 1, 2, 3, 4. Donc en fait, ces deux doigts fonctionnaient, et eh bien donc l'annulaire va en fret, enfin pas en fret, en corde 4. Donc il y a un saut de corde entre les deux tours. On valide que ça se passe 1, 2, 3, 4. On est parti ensemble. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'était la phase 3 de notre apprentissage d'un accord de si mineur. Même si on a mis un capo 4, donc c'est bien si mineur, mais je ne vous embête pas avec ça. Donc on a maintenant trois doigts qui fonctionnent. La bonne nouvelle, c'est que le dernier accord que l'on a fait est vraiment un accord qui existe, à savoir c'est un si mineur 7. Donc globalement, vous venez d'apprendre à faire un si mineur 7 si vos doigts se posent bien ensemble pour cette forme-là. Alors, je suis conscient que les 2 minutes que l'on vient de faire ensemble ne suffisent pas si vous découvrez les accords barrés. Mon objectif ici n'est pas qu'à la fin de la vidéo, vous savez, alors c'est mon souhait, mais je sais très bien qu'à la fin de cette vidéo, vous n'allez pas avoir forcément parfaitement dans les doigts le si mineur et le fa dièse mineur. Mon objectif ici est bien de vous montrer le processus que vous devez utiliser, en tout cas que je vous conseille d'utiliser, pour maîtriser ces accords. Là-dessus, je ne m'engage pas qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez le si mineur et le fa dièse mineur tout de suite dans les doigts. Par contre, je m'engage à ce que vous ayez un mode de fonctionnement, un mode opératoire pour y accéder. Donc en résumé, on a placé l'index, ça c'est tenu. Vous avez travaillé, maintenant vous avez donc également le majeur et l'annulaire. Il nous reste à placer l'auriculaire. Donc même chose, l'idée c'est de placer les 4 doigts en même temps. Donc ça va nous donner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On est parti ensemble. 3.
3, 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et bien voilà donc pour la succession de mini-ateliers que vous devez mettre en place pour pouvoir placer le si mineur et surtout placer l'ensemble des doigts en même temps. Ça peut vous demander quelques jours, peut-être quelques semaines, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce que vous devez toujours valider quand vous passez à l'étape suivante, que vraiment les doigts, si vous n'avez pas l'index, bon, la partie juste barrée, normalement ça va vite. Mais parfois, on s'aperçoit que de remettre le majeur tout de suite derrière, ça prend un peu de temps. Pas d'affolement, tranquillement, ces quatre phases vont vous permettre de placer le si mineur et surtout le placer, tout le monde y arrive au bout d'un moment, mais le placer avec les quatre doigts qui tombent en même temps. Même atelier pour le Fa dièse mineur, donc je vais être un petit peu plus rapide bien sûr sur l'explication. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que trois doigts, à savoir le Fa dièse mineur, c'est un Mi mineur barré en fret 2. Je considère que c'est mon du manche, hein, c'est pour ça que je dis fret 2. Je ne vous embête pas avec l'histoire de tonalité, mais voilà, on avait un Mi mineur, en tout cas cette forme-là, et on vient en fret 2 barré et on construit un Mi mineur avec l'annulaire et l'auriculaire. La bonne nouvelle, c'est que cette forme-là, eh bien finalement, vous l'avez déjà travaillé ici. Donc, ce que vous avez fait sur le si mineur, eh bien finalement, c'est la même construction, mais une corde plus haute, c'est ça. Voilà, donc mi mineur, on va faire le barré, mi mineur, on va placer l'annulaire, mi mineur et on va placer annulaire et auriculaire. Voilà pour les trois phases. C'est parti pour la première phase. Donc juste le barré. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deuxième phase, on place l'annulaire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dernière phase, annulaire et auriculaire, et bien sûr le bas. 3, 4 et 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà donc pour ces deux formes d'accords, le si mineur et le fa dièse mineur. Alors, je vous encourage bien sûr à refaire tranquillement chacune des phases pour pouvoir maîtriser ces accords, puisque j'imagine bien que ce n'est pas le petit quart d'heure qu'on a fait ensemble qui va vous permettre, si vous découvrez les accords barrés, d'y arriver. Mais ça, c'est normal. Par contre, maintenant, vous avez la méthode pour travailler tranquillement. Si vous suivez cette phase, cette méthode,
vous allez pouvoir éviter deux choses que je vois de temps en temps en stage, des gens qui construisent les accords barrés doigt par doigt. Ce que je veux dire par là, alors je dis souvent qu'ils font l'araignée, c'est-à-dire qu'ils vont faire le barré qui tombe et après les doigts qui vont venir se poser les uns derrière les autres. Donc ce qu'on appelle le mode araignée, ce qui n'est pas forcément excellent pour la sonorité au moment de la rythmique ou des arpèges. Donc si vous suivez ce que je vous ai proposé, vous allez éviter ça. Vous n'allez pas avoir les doigts qui tombent les uns derrière les autres. Et surtout, quand vous avez démarré par le travail à poser l'index, et bien de toute façon, même si éventuellement il y avait un petit décalage entre la forme et le barré, et bien quand même vous avez appris à prioriser le fait de barrer d'abord les cordes et faire la forme bien sûr en même temps. Même s'il y a un petit décalage, au moins le barré il est fait en priorité et ça c'est important. Donc à travailler tranquillement, on va avoir besoin du mi mineur, de si mineur et du fa dièse mineur pour faire notre premier reggae. Donc sur la suite de cette vidéo, eh bien, je vous présente la rythmique et sur la vidéo d'en dessous, eh bien, on parlera spécifiquement du morceau. Allez, c'est parti donc pour cette nouvelle rythmique. Rythmique qui fonctionne très très bien sur les reggae de manière générale, donc à retenir. Et d'ailleurs, la chanson que je vais vous proposer pour la mise en place, eh bien, c'est Stone the Ghetto de la ville. Ceci étant dit, on est parti pour la description de cette rythmique et puis un peu de bruitage et quelques accords. Alors, cette rythmique, elle va faire 1, 2 et 3, 4. Sur le temps 1, on va prendre le haut des cordes. 2, milieu bas et en bas. 3 en haut, 4 en bas. Je vous rappelle que les H, les M et les B que vous trouvez sur le tableau indiquent les zones de cordes que je vous propose d'utiliser. Donc le 1, le haut, 2, par milieu, on va jusqu'en bas et on prend en bas. 3 en haut des cordes, 4 bas. 1, 2 et 3, 4. 2 et 3, 4. On est parti ensemble. 3, 4 et 1. 2 et 3, 4. 1, 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 2 et 3, 4. Allez, on est parti avec deux accords, mi mineur, la mineur, mi mineur, la mineur. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Plus lentement que ça, bien entendu. Allez, on est parti, mi mineur, la mineur, mi mineur, la mineur. 2, 3, 4 et 1. On va le refaire à nouveau. Simplement, je vais démarrer à peu près à la même vitesse, mais après, je vais accélérer. On démarre lentement et on accélère. Mi mineur, la mineur en boucle. C'est parti. 2, 3, 4 et 1, 2, 3.
j'attends, on accélère. On accélère. Attention. Et une dernière petite accélération. Prêt? Bien. Pour toutes les rythmiques et tous les arpèges que l'on verra ensemble et que vous retrouverez ensuite sur chansons et guitare, il y en a quand même plus d'une quarantaine rythmiques et plus d'une quarantaine d'arpèges, hein, donc il y a de quoi faire. L'idée est toujours la même. On démarre lentement, on essaye de repérer géographiquement les zones de cordes que l'on veut utiliser. Et puis après, bien, on essaie de trouver de la vitesse et que cette vitesse ne vous amène pas à vous dérégler. Qu'on soit toujours très régulier et qu'on ait toujours les mêmes zones de cordes que l'on souhaite attaquer dans le cas d'une rythmique ou accentuer dans le cas d'un arpège. Bien, et bien écoutez, vous avez sur cette première vidéo les outils pour bien commencer à travailler tranquillement le si mineur et le fa dièse mineur. Vous avez la rythmique. On se retrouve sur la deuxième vidéo quand vous serez prêt. Pour qu'on puisse faire notre chanson ensemble, à savoir « Sans de ghetto » de Bernard Lavilliers. C'était l'étape 6 du parcours du vrai débutant. Vous retrouverez les étapes 7, 8, 9 et 10 uniquement en version club sur chansons et guitare. À très bientôt, bonne suite à tous.